Philippe Rohr arpente la prison de Chandelon à Genève. Il offre une présence apparemment inutile et pourtant si nécessaire. Dans un lieu comme celui-ci, qui n'est pas seulement un lieu de mise à l'écart, d'enfermement, mais qui est aussi un lieu de très grand questionnement, voire de torture intérieure pour les personnes, chacun à sa façon, chacun est différent, hein. Qu'il y ait des témoins, chacun à sa manière, chaque vie est différente, mais qu'il y ait des témoins que de la réalité, de l'amour et du pardon de Dieu, de la réalité de ce chemin de vie et de retour à la vie qu'est l'Évangile. Voilà, je crois que sans aucun pouvoir, sans aucune capacité à quoi que ce soit, je ne peux rien pour ces hommes et pour ces femmes, mais je suis là, et autant que faire se peut dans cette énergie d'amour qui m'est donnée à moi-même. Voilà. Je me suis senti appelé dans des lieux de brèche entre la mort et la vie, comme celui-là, par exemple, mais clairement comme celui-là, et de venir dire que c'était juste le moyen de pouvoir y aller. Parce que si je frappais à la grille il y a 8 ans, en disant « voilà, je viens », puis on me dit « mais vous faites quoi dans la vie ?»« Ben, je suis directeur d'une agence de pub », on m'aurait dit « mais l'idée, c'est un peu plus loin sur le chemin ». Ce que ça m'apporte, c'est des rencontres au désert, dans la nudité de notre existence, telle qu'elle est réellement, malgré toutes les comédies qu'on se joue dans nos rôles professionnels, notamment. Là, on a une rencontre au désert, d'être à être.